se retrouve, nous sommes mercredi 6 décembre et bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas en ma compagnie. Je m'appelle toujours Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. On se retrouve aujourd'hui donc mercredi après-midi. Il fait blanc gris, voilà, c'est plutôt lumineux mais on voit pas du tout le ciel, on ne sait pas, c'est gris blanc bof. Mais au moins il fait jour, hein, c'est déjà pas mal. On ne peut pas tout avoir. Donc aujourd'hui, je commence déjà par vous présenter en plein jour le tissu que je vous ai montré sur l'épisode qui est sorti ce matin, de bonne heure et de bonne humeur, 6h45 pour les lève-tôt et celles qui voulaient me voir au petit-déj direct avant d'aller au boulot. Ah, c'est encore pas tout à fait la bonne couleur, c'est fou ça quand même. Il fait beau quand même. Enfin beau. Ah, on approche du but là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même? Oui, non, non. Je suis plus dans le cadre. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, bah je sais pas. Enfin, de toute façon, la dernière fois, je vous avais mis une petite photo de sur le site Driesenstofen. J'essaierai de vous remettre si je la retrouve. Parce que c'est compliqué quand même. Puis en plus, ça change un peu de lumière. Enfin, de... Comme c'est des petits poils un peu... comment on pourrait dire ça? Il capte la lumière et en fonction, ben, ça fait plus ou moins foncé ou clair. Je sais pas. Peut-être par là, mais c'est plus un violet froid. Là, vous avez l'impression que ça fait un peu prune, mais c'est plus un violet froid. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on est le 6. Et déjà, j'ai raté le 5. Parce que la dernière fois... Bah, le 4, c'était hibiscus saveur fruits rouges, je ne l'ai pas encore goûté. Le 5, que je ne vous ai pas encore montré, qui était hier, c'était infusion bio orange et citron. Ah, c'est pas mal ça, je vais peut-être tester ça dans l'après-midi. Et le 6, pour aujourd'hui, c'est camomille et mélisse. Là, je ne sais pas. Mélisse, je ne suis pas sûre d'aimer. Camomille, voilà, je ne sais pas. À voir. Donc bon, j'ai même pas. Je vais les sortir parce que si je les ouvre pas et que je les sors pas, je vais oublier. Enfin, loin des yeux, loin du cœur. Vous voyez ce que je veux dire. Si je les vois pas physiquement, comme c'est pas une habitude que j'ai, je suis plutôt team café. Je vous l'ai dit. Mais c'est vrai que les derniers que j'ai goûtés là, à chaque fois c'était ma petite touche. Je sais pas comment dire, pas douceur non plus, mais. Mon petit moment, voilà, en me disant, bah tiens, je vais me faire ça aujourd'hui avec ma couture ou avec mon tricot. Alors, hop, je ressors donc le 4 qui était détox, là, avec l'hibiscus et fruits rouges. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on se dit, tiens, ça pourrait être menthe, mais non, c'est juste la couleur du sachet. Ensuite, du coup, on a dit 5. 5, j'ai déjà oublié. Ah oui, orange et citron. Moi, 6 cet après-midi, je me demande si je vais pas tester celui-là. Et 6, hop, ils sont tout kiki quand même ces petits lutins. Et 6, donc camomille et mélisse. Je sais pas si on sent beaucoup, tiens. Non, on sent pas vraiment. Et 5, on verra, ce sera la surprise. Bon, voilà pour ça. Tac, tac, tac. Bon, déjà, je mets le bazar. Alors, je vous montre vite fait où j'en suis de ma Cumulus Blues, parce que oui, maintenant que j'ai compris mon erreur de départ, ça file, ça file. Enfin, ça file avant que je m'endorme, quoi. Donc, je vous remontre, même si tout le monde connaît la Cumulus Blues de Petite Knit, je pose ça là avant de faire des bêtises. Voilà, voilà. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je planque ça, en fait, parce que c'est pas... C'est pas comment... C'est pas le patron, c'est les... Comment ça s'appelle? Les tailles, l'échantillon, quel type de matériel il faut prendre et combien de laine il faut prendre. Donc ça, ça va. Par contre, vous voyez, j'ai fluoté la taille 2XL et finalement, je le fais en XL parce que... Je crois que je ne l'ai pas précisé la dernière fois. Erreur, alors que c'était le début. Au départ, je voulais faire 2XL parce que ça correspondait... Autour de poitrine, c'est marqué où? Mais là, c'est à l'intérieur dans les explications. Ça correspondait à un tour de poitrine entre 110 et 120. Moi, on va dire que je suis à 116, 117, on va dire plutôt 117. Donc 117,
J'étais dans le. Dans le. Ou 116, non, peut-être 116 quand même. Mais enfin bref, je suis dans ce créneau-là de 110 à 120. Sauf que ça veut dire que ici, avec l'aisance, le 2XL, ça fait 136 cm. Et comme elle dit qu'il faut avoir entre 10 et 15, je crois. Oui, c'est ça. 10 et 15, et ben 126. 116, je vais y arriver, de tour de poitrine jusqu'à 136, ça fait plus 20. Donc on n'est plus 10-15 cm d'aisance, ça fait 20 cm d'aisance. Et c'est vrai que bah, quand on est forte, souvent on a envie de se planquer dans du large. Ce que je comprends, parce que pendant longtemps je faisais un peu ça aussi, mais trop large, c'est pas bon. Ça empire le truc. Là par exemple, aujourd'hui, je vous ai pas dit ce que je porte, mais je vous aurais mis une petite photo de ma tenue du jour. Là, c'est vraiment parce que c'est le côté fluide et c'est par-dessus. Mais en dessous, j'ai un t-shirt moulant, quoi. Mais surtout, c'est large, mais ça se... c'est tellement fluide que ça se rapproche de mon corps. Ça reste pas... comment on va dire ? L'ampleur ne reste pas là. Mais ce que j'ai peur avec la Cumulus Blue, c'est quand même j'ai deux fils. Ça va quand même avoir une certaine tenue, même si c'est fluide, mais il y aura de l'épaisseur, si vous voulez. Et j'ai pas envie d'avoir un truc qui fait trop ma stock. Donc, je suis partie sur le XL, qui lui a un tour de poitrine fini, on va dire, de 126. Ce qui me fait 10 de plus. Donc, comme il faut avoir une aisance de 10 à 15, oui, voilà. Et ben, je préfère avoir 10, c'est déjà bien, 10 cm, faut pas pousser. Plutôt que d'avoir 20, voilà. Tout ce blabla pour ça. Alors, donc comme je vous avais dit, j'ai commencé les rangs, enfin la partie rang 1, 2, 3, 4, là, qu'il faut répéter un certain nombre de fois. Et là, en ce moment, j'en suis rendue là. Je ne sais même plus combien j'ai fait de répétitions déjà, mais enfin. De toute façon, vous verrez au marqueur. Alors, oui, les couleurs, on est toujours là. Ça fait peut-être plus flashouille là, mais enfin, c'est un peu plus rose-violet. Un rose violet, non, c'est un peu plus fuchsia, mais ouais, peut-être plus voilà là, parce que tout à l'heure ça faisait un genre de halo fluo là, mais c'est plus comme ça. Excusez-moi, je regardais le retour et pas le petit rond là. Je sais plus qui j'ai vu tout à enfin l'autre jour en vidéo en vlogmas qui disait que on lui avait fait la remarque qu'elle regardait trop le retour caméra et pas assez le. Ah, c'est Elodie, je crois, de A Knitting Journey, qui, voilà, c'est ça, je crois que c'est elle, qui disait que oui, on lui avait fait la remarque qu'elle regardait trop le retour caméra et pas assez le petit rond, mais c'est vrai que quand on filme avec un téléphone, vous ferez l'essai chez vous si vous voulez voir, puisque moi aussi je filme avec mon téléphone, et la caméra, elle est tout à droite, comme ça, de mon téléphone, alors pas en haut, cette fois, sur mon ancien, je crois que c'était en haut, mais là, c'est à droite, au milieu. Mais ça veut dire qu'il faut que j'ai l'impression de loucher et d'avoir les yeux qui partent comme ça, au lieu de regarder comme ça en face. C'est très perturbant. Alors, je me concentre souvent pour fixer que ça et ne pas me regarder, faire abstraction de ma beauté naturelle et de vous regarder, vous, là, derrière l'écran, je vous vois, là. Donc, voilà la bête. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Dans quel sens? Oui, comme ça, j'ai un doute. Il est où le marqueur déjà? Il est là. Je ne sais pas comment ce sera le plus pratique pour vous montrer. Voilà. Donc, on a commencé ici, jusque là, la première fois. Et donc, je suis allée jusque là. De là à là. Peut-être si je le pose sur moi, comme ça, là. Oui. Bon, je ne suis pas loin. Hein. Je n'ai pas avancé de beaucoup, c'est sûr. Mais je commence à avoir... peut-être 200 mailles quand même sur les aiguilles. Donc, voilà. Est-ce qu'on voit mes petits raglans? Que la dernière fois, j'avais fait nimpe. Donc là, il est où l'autre? Ben, j'en vois un, je vois pas l'autre. Ah si, là. Voilà. Donc, j'en suis là. Hop, l'envers du décor. Et je savais bien que j'allais faire la bêtise de tout faire tomber. Je vous mets sur pause. C'était sûr. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant,
Hop là. Je vous montre vite fait où j'en suis du Monstera de Marie-Amélie Design. Celui-ci, celui-là, que j'ai donc bien commencé le 1er octobre. Donc celui-là, 1er octobre, celui-là, 1er décembre. Mais voilà, c'est pas une course. Hein. Ils avanceront au rythme où ils avanceront. D'ailleurs, je vais commencer à retirer, là, j'ai oublié, mais... Enfin, j'ai pas pris le temps, surtout, d'enlever tous les marqueurs. Là, ça sert à rien, maintenant que je les garde. Je vais juste garder celui au niveau 100 pour me rappeler 100, 110, voilà, pour quand je reprendrai les manches. Et là, hop, hop, hop. Voilà, et alors, il est où le marqueur pour dire où j'en étais la dernière fois qu'on s'est vu. Bon, j'ai pas fait lourd, hein. Vous voyez, il est là. Donc, j'ai fait, je sais pas. Alors, attendez, on va compter. J'ai fait que 3 rangs. Mes 3 rangs à, je sais plus combien j'ai de mailles. Entre 3 et 400, je crois. Donc, j'avance petit à petit, comme je vous dis, hein, à la pause café au boulot ou vite fait quand j'ai vraiment 2 minutes comme ça à tuer et que je sais que j'ai pas envie de réfléchir à compter les augmentations, etc. Là, au moins, je peux prendre, hop, je fais 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, j'avance. Là, par contre, il faut que je me concentre parce que je me suis aperçue ce matin que j'avais un petit couac ici que vous verrez pas parce que là même, c'est quand je l'ai... C'est quand je l'ai tricoté, je pense qu'il doit me manquer un rang. Ouais, j'ai dû rater, si vous voulez, le tricot d'une maille, donc il va falloir que je la récupère. Bon, c'est pas bien méchant, mais il va falloir que je regarde ça de plus près pour, entre guillemets, que je puisse reprendre ça la pause café demain. Ce sera déjà ça d'avancer, même si c'est pas long à chaque fois. Où est-ce que j'ai mis mon café? Oh, mais je suis venue sans, il est là-bas. Je voulais boire un coup, mais je l'ai pas avec moi. Bon, bah... Je suis obligée de vous laisser sur pause, vous abandonner comme ça, et puis vous reprendre plus tard. Est-ce que je peux vous montrer un autre truc de jour? Non. Là, je ne vous cache pas que je suis un peu claquée. Il est 14h14, dis donc. J'ai un coup de mou, parce que en fait, je me suis pris une migraine hier en fin de journée, en quittant le... J'avais une réunion à l'extérieur. Je pense que la fatigue, le brouhaha, le... Enfin, voilà, les échanges et tout, mais du coup, il y a eu quand même un peu de bruit. Je pense que tout ça, ça a fini de monter. J'ai senti la migraine arriver en fin de journée. Quand j'ai fait la route, j'ai fait vite, vite, il faut que je rentre, que je me prenne un médoc et que je me pose. Donc j'ai pris un médoc, je me suis mis tranquillement dans la chambre, un peu dans le noir là, et ouais, le temps que ça passe... Et là, ce matin, je sens que j'ai un léger fond de mal de crâne, vous voyez, il est là sans être là, il ne s'installe pas, mais il n'est pas bien loin, il me guette. Donc, je n'ai pas pris ce matin, mais là, ce midi, j'ai pris parce que là, je sens que ça monte et que ça va partir en sucette. Mais je suis fatiguée. Donc, je pense que je vais peut-être aller me poser et peut-être me reposer. Et tant pis pour le tissu, là, je ne suis pas sûre de m'en occuper. Je voulais hein, faire ça cet après, mais... Je sais pas si j'ai la foi, puis alors surtout ça va me foutre des poils partout. Et on vient de passer l'aspirateur. Donc je sais pas. Parce que ce qui serait bien, c'est que si je le coupe, il faut que je le couse tout de suite. Sinon, ça en fout de partout. Donc je ne sais pas. Si je m'attends, si je me garde pas ça plutôt pour ce week-end, et puis que là, je me pose avec mon tricot, et comme ça, si je m'endors, eh ben je m'endors. Et comme ça, je vais essayer de rattraper tous les vlogmas, toutes les vidéos qui sont sorties là. J'en ai mon truc de notification, je crois qu'il n'arrive même pas, je pense, au bout de 6, 7, 8. Je ne sais même pas combien mon téléphone accepte de m'envoyer de notifications YouTube, mais il y en a plein. Mais c'est génial, il y a plein de trucs différents à regarder. Mais c'est vrai que bah, il faudrait presque poser des journées hein, pour récupérer les vlogs de tout le monde. Je suis désolée, en décembre, on devrait faire moitié... moitié vidéo et puis moitié on va au boulot quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon allez, ça fait déjà 14 minutes 30 là que je raconte des bêtises, donc je vais me taire. Je vous abandonne, je vous laisse là, je voulais dire. Et on se retrouve plus tard. Allez, à plus. On se retrouve, on est samedi 9 décembre et je profite d'un moment d'accalmie mentale parce que j'ai des maux de tête depuis mardi soir qui vont et viennent et me mettent littéralement à plat.
Donc je ne suis pas dans une forme olympique, mais là déjà je peux parler et je suis plutôt réveillée. Tout à l'heure je comatais complet dans le canapé et en plus là le soleil se réveille en même temps que moi, j'ai envie de dire, ça fait 10 minutes, qui fait à nouveau jour, en plein jour, c'est génial. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter mon avancée tricot ici, puisqu'en plus j'ai fait une petite insomnie, donc j'en ai profité pour avancer jusqu'à ce que je m'endorme comme une patate et voilà. Bref. Et l'avancée ici qui est pas très grande sur ma cumulus blues parce que comme je suis, comme je vous dis, dans un état pas terrible. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de pousser un peu ma voix parce que comme j'ai pas de micro, je sens que vous allez même pas m'entendre. Du coup, comme je suis encore dans les augmentations et comme je vous dis que j'ai le cerveau un peu en bouillie, je sais pas. Bref. J'ai fait un test Covid, enfin un autotest du moins, je sais plus quand là, et c'était pas ça. Donc je vais attendre de voir comment ça évolue et s'il faut que j'aille en faire un. Voilà. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste, on va dire, une fatigue de fin de. Comment on appelle ça? Vous savez, de fin de saison là, quand vraiment vous êtes un peu au bout du rouleau, votre corps il n'en peut plus. J'ai eu pas mal de charges mentales, donc là aussi c'est pareil, à un moment donné, stop. Donc peut-être que ça, plus les quelques petits maux de l'hiver qui traînent, ça aura suffi à me mettre à plat. Voilà, et surtout, je vous ouvrirai un nouveau kit à chaussettes donc de ma box de Noël, les laines de demain. J'avoue que toute la semaine j'ai pensé, je me suis dit, oh vivement vendredi, je l'ouvrirai et tant pis, je vous le présenterai vite fait le vendredi soir et on fera mieux en plein jour le samedi et tout. En fait, hier, non, je suis rentrée, j'étais mais fracassée, donc je suis allée direct un peu un petit cachet et me poser tranquille dans le lit. Donc, et là aujourd'hui, pareil, depuis ce matin, je suis pas bien, donc il est maintenant 14h55 et j'ai l'impression qu'enfin mon corps se réveille mais à petite vitesse hein, donc j'aurai enfin un plaisir à l'ouvrir, tout à l'heure j'avais même pas le courage, vraiment. Bon, allez, déjà, petite intro, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah oui, du coup, insomnie du soir, bonsoir. Cette nuit j'ai testé camomille et mélisse, qui était du jour 6. Comme je l'ai pas laissé infuser longtemps parce que j'avais peur de la mélisse, c'est passé. Par contre, avant de manger, là, je voulais boire un truc et j'ai voulu tester hibiscus saveur fruits rouges. Et comme je l'avais imaginé, j'aime pas du tout. Je l'ai refilé à mon mari qui a pas aimé non plus. Donc ça veut dire qu'il y en aura une autre dans le calendrier. Il faudrait voir à qui on la refourgue. Et du coup, j'ai testé tout à l'heure à la place, donc orange et citron. Oui, ça va, mais bon, je pense que j'étais pas dans un état optimum pour apprécier la saveur. Et je l'ai pas fini parce que je me suis endormie. Vous saurez tout. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert? On n'a pas ouvert le jour 7. C'était quand 7 ça? Je ne sais plus. J'en perds mon latin. On a dit qu'on était le 9. Donc 7, c'était jeudi. Donc il faut que j'ouvre jeudi, vendredi et samedi. Enfin, j'ouvre. Que je récupère quoi. Donc 7, 8 et 9. Ah, bah dis donc. Oh, ils sont tout kiki. Donc 7, 8, 9. Et dans l'autre sens, ils sont mignons aussi. C'est tout bête, mais je trouve que ça égaye le truc. Alors, tac, 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 comme la dernière fois, je les pose là comme ça. Je sais que c'est les prochains à voir. Alors 7, thé vert détox, thé vert bio, saveur fenouil, fleur de sureau et agrumes. Oui, agrumes, ok. Fenouil, je vois pas bien. Sureau, je maîtrise pas non plus ces goûts-là, donc on verra. 8, marchand de sable. Ah bah c'était ça qu'il me fallait. Franchement, j'ai raté, j'aurais dû ouvrir. Infusion bio, camomille, mélisse et lavande. Bon bah là déjà, cette nuit, j'ai pris camomille, mélisse. Bon bah là, il y a lavande en plus. Mais tout ce qui est fleurs, moi j'ai l'impression que j'aime pas trop dans tout ce qui était infusion. 9. Oui, c'est ça. 9 pour aujourd'hui, thé vert citron. Donc thé vert bio citron aromatisé. Bon, ça ira. Donc voilà pour ça. Ouais, je pense que vous le remarquez que je suis complètement à plat, que je parle pas vite et.
que tout a l'air d'être au ralenti. Je suis en slow motion, voilà, c'est en mode Matrix comme ça, là, 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 là. Je donne tout, enfin tout. J'essaie d'en garder un peu sous le pied pour pas m'écrouler, mais je suis vraiment raplapla. Alors, le Monstera de Marie-Amélie Design, j'ai pas repris le patron, mais si j'ai la foi, je vous mets là. Sinon, vous l'avez vu, je crois, en début de vidéo que j'ai filmé mercredi, je crois. Ouais, mercredi, ah oui, c'est ça. Mercredi 14h14, je me rappelle de mon montage, ça m'avait fait rire. Et dans la foulée, j'avais dit, oh, je suis pas sûre de faire de la couture et autres, je vais peut-être me reposer. Ouais, j'ai claqué entre 2 et 3 heures de sieste et mon mari, il est venu me réveiller en disant, t'as kiné, non? Ah ouais, mais j'étais loin, loin, loin. Donc je vous dis, là, cette semaine, dure, dure. Bah, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mes stories où j'ai une tête déconfite le matin et j'ai subi un petit peu mes journées. Ah merde, le soleil, il est parti. Bon, tant pis. Alors, je vous montre où j'en étais. Oui, c'est ça. Alors, voilà, au petit cœur rose, là, j'en étais là la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire que j'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8 rangs quand même. 4, 5, 6, ouais, c'est ça. 8 rangs, je suis sur le 9e, donc bien, ben, finalement les insomnies ça a du bon, hein, parce que j'ai dû tricoter jusqu'à 2-3 heures du matin, donc enfin, c'est-à-dire que je me suis re-réveillée, voilà, je m'étais déjà endormie, je me suis réveillée, je sais pas, à 23 heures peut-être, et impossible de me rendormir, et donc de 23 heures à minuit, minuit et demi même, j'ai fait des tours et des tours dans mon lit, jusqu'à ce que je me dise, là c'est mort, tu vas pas y arriver. Donc, lève-toi et va dans le canapé. J'ai une lampe de cou, tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. Pour celles qui ne connaissent pas. Hop. Donc, j'ai pris mon téléphone, des écouteurs, un support de téléphone, hop, et puis voilà. Vous avez plusieurs intensités de lumière. Vous pouvez mettre les deux, il y a une couleur chaude, une couleur froide, et avec deux niveaux d'intensité. Moi perso, je l'ai acheté sur AliExpress, je crois, l'année dernière. Parce que j'ai vu l'autre jour, je crois que c'était Christelle de Rêver sa vie en couleur qui avait peut-être acheté ça. Ou alors c'est. Ouais, mais je crois que c'est elle, j'ai un doute, hein. Parce que là, je. Comment je. Binge watch, je sais plus comment on dit pour dire que je dévore les vlogcasts et les vidéos de tout le monde. J'essaye dans la mesure du possible de rattraper tout. Alors certaines, je les mets, enfin certaines, les trois quarts du temps, je suis obligée de mettre en accéléré. Alors pas toujours beaucoup, mais peut-être des fois 1,25, ça suffit à faire presque comme une discussion normale, mais sans trop les et les attentes. Comme ça va à l'essentiel. Pourquoi je dis ça? Je sais plus. Oui, donc la lampe, quelqu'un a dû en acheter une, peut-être chez Action ou je sais pas quoi, et l'intensité n'est pas suffisamment forte. Enfin, elle voit pas bien. Moi, j'avoue que celle-là, je suis vachement contente parce que j'ai dû payer peut-être 15-20 euros quand même. Hein. Sur le coup, on se dit oui, tout est pas cher sur AliExpress. Oui, mais là, pour le coup, j'en ai pris une. Bah les références, je m'en rappelle pas, mais là je vois au niveau détail power 0,4 watts, charging voltage DC5 volts, charging current de 0,5 à 1 ampère, working current 150 mAh, battery capacity 1000 mAh et elle est rechargeable, c'est ça qui est top, elle est rechargeable en USB donc c'est pour ça que je l'ai pris. Pour pas avoir ici un poids de piles et autres trucs dans la nuque, parce que c'est pas hyper agréable. Comme ça, elle est toute légère, elle se tord dans tous les sens. Et c'est rechargeable, donc c'est génial. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai tricoté cette nuit, mais j'ai oublié de vous expliquer. C'est qu'avant d'en arriver aux 8-9 francs, je ne sais même plus ce que je vous ai dit déjà il y a 2 minutes, mais bref. J'avais fait la dernière fois, je devais en être comme ça là, j'avais dit que j'avais fait 2-3 rangs, c'était en gros 2 rangs et demi. Et en effet, puisque c'est au moment de mon changement de pelote. Et pourquoi je le sais? Parce que je me suis aperçue
l'autre jour au boulot, sur ma petite pause café où j'avais commencé à avancer. Puis là, je suis tombée sur un truc. Je vous avais dit, je m'étais arrêtée. Ben, c'était mercredi. Je m'étais arrêtée parce que j'avais vu qu'il y avait une erreur, genre 2 rangs avant. Et il y avait 2 mailles côte à côte qui étaient bizarres. J'ai détricoté les 2 rangs et demi pour m'apercevoir qu'en fait, je revenais à mon point de départ, c'est-à-dire quand j'ai changé les pelotes. Et donc, je sais pas ce que j'ai fait comme couac, mais bah, du coup, j'arrivais pas à le récupérer 2 rangs en arrière. Donc, quand j'ai détricoté tout, bah, je me suis retrouvée à finir, enfin, à revenir, voilà, là où j'avais fait le. Là où j'avais intégré la nouvelle pelote. Excusez-moi, je vais essayer de me recentrer, mais là c'est dur. Du coup, bah, au final, il y a quelques jours, bah, j'ai juste repris pour en arriver au point de départ. Donc, bah, ça devait être jeudi ou vendredi. Ouais, jeudi. Et je me suis dit, merde, si j'avais filmé, bah, en fait, je remonterais au même endroit là où on en est rendu. J'ai refait mes deux. J'ai reculé 2 rangs et demi, j'ai refait 2 rangs et demi, mais sauf que ça m'a pris un temps de dingue le mercredi et le jeudi pour revenir comme si de rien n'était. Là, par contre, depuis, j'ai avancé parce que comme j'ai le cerveau tout mou, vous imaginez bien que j'ai pas trop avancé la cumulus blues où il faut, entre guillemets, réfléchir puisqu'il faut suivre les augmentations qui sont pas pareilles, puisqu'il y a 4 rangs à suivre entre les rangs en droit et en vert et c'est pas les mêmes augmentations. À faire. Donc je me suis dit si c'est pour faire des bêtises et tout recommencer, non. Alors je ramasse la pelote qui a roulé tranquillement et je vous montre la cumulus blues. Hop là. Donc la cumulus, bah écoutez, de petite nit, je n'ai pas avancé des masses. Un petit peu quand même, hein, mais pas de fou. Oh oui, si, c'est déjà pas mal. Donc on en était rendu là. Et puis, hop, oh, ça va quand même. Je sais pas combien j'ai fait de rang à peu près. Là, avec le double fil et tout, j'ai un peu plus de mal à compter. Comment je compte? 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas. Ah, peut-être là. Oui, 5-6 rangs à peu près. Voilà. Donc, est-ce que ça donne quelque chose maintenant. Ouais. Je vous ai pas précisé ce que je porte. C'est commerce, legging Madame Rique de Studio Schnittreff. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Et puis, ouais, le haut, j'ai vraiment pas. Bon. C'est de saison. J'ai envie de dire un truc avec des petits poils là, comme je compte coudre là en violet, je regarde parce que le tissu, je l'ai mis là sur ma table à repasser pour déblayer un peu le brun ici. Donc voilà où j'en suis. On n'est pas encore rendu, hein. Mais rien ne sert de courir. Il faut quoi? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Pouh! Eh ben, ça s'annonce déjà. Là, je suis réveillée, hein, donc imaginez quand je suis pas en forme. Ce que ça peut donner. Alors, bah du coup, je dis au revoir à celles qui ont déjà la box de Noël, les laines de demain et qui veulent pas être spoilées. Je vous fais un bisou et puis je vous dis à la prochaine. Alors peut-être pas rapidement parce que vous voyez que mon état d'énergie fait qu'il y a peu de chances que j'enchaîne les vidéos comme ça, comme je l'ai fait au début. Et pour celles qui veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur, eh ben on continue. Tintin. Oui, j'ai laissé le papier pour pas que vous regardiez. Alors, la première fois, je vous avais dévoilé ce kit-là. Donc, c'était le kit chocolat chaud. Si je pense, là, je vous remets quand même la photo pour que vous voyez la photo d'inspiration. Ça correspond vraiment au niveau des coloris. J'aime beaucoup, mais alors après, c'est vrai que. Comment. J'ai l'œil de la bébé tricoteuse qui a ses premiers échevaux teint main, donc forcément je suis toute contente. J'aimerais encore des coloris pepsouilles. J'avoue que c'est là après, avec le recul, je me dis, oh, si j'avais su à bien avant, quand c'était les précommandes de box et tout, j'aurais trop voulu prendre celle de Bulbe Bizarre. Je kiffe les coloris. Elle a des trucs, mais. Bref, mais c'est très beau, hein, Nathalie, il n'y a pas de souci, elle a fait du beau travail aussi.
Mais c'est vrai que vous avez vu que j'aime bien les couleurs très discrètes. Et donc là, les coloris bien qui envoient là de Pauline de Bulbe Bizarre, franchement, ça aurait été ma came. Alors, dans la pochette comme ceci, je vais poser ça, sinon je vais faire des bêtises parce que je suis un peu du coup mince. Hop là, je suis un peu pas douée. Donc voilà, je vous coupe, j'ouvre et je vous montre. Donc voilà la petite pochette en organza avec la petite étiquette Merry Christmas. Voilà. Et alors cette fois-ci, il s'appelle Noël Féerique. Donc rebelote, je vous remettrai la photo. Et ce coup-ci, je crois que c'est Stellina Doré, oui, c'est ça. Donc 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina Doré. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, les couleurs ressortent bien. Ah, je suis contente. Parce que d'habitude, hein, il fait tout pourri, tout moche, etc. Mais là, vous voyez le Stellina en plus. Ah, oh, c'est trop chouette. Alors, on va ouvrir ça pour mieux s'en rendre compte. Bah alors, ouais. Donc ici, on a un bleu semi-solide, comme on dit, puisqu'il y a un dégradé. Oh, vous voyez trop bien la couleur. C'est trop joli. Oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Et du coup, comme contrastant pour aller avec, ici, vous avez un dégradé donc de bleu marine, ici turquoise. Regardez, on va se faire raccord couleur. Voilà. Hop. Ah là là, et avec mon bleu ici, enfin bleu vert. C'est tout doux. Et ici, du coup, on va sur les jaunes, enfin sur le jaune doré, vert. Alors ici, il y a des petits speckles un peu ocre, enfin mordoré, je dirais. Ah, c'est trop joli. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'est peut-être des petits speckles orange, je sais pas. Regardez. Ah, c'est trop beau. Ah là là. Je suis contente. Donc voilà le kit numéro 2. Et comme au milieu de tout ça, il y a une petite pochette. Ah, je commence à me réveiller. Et là, le soleil revient. Allez, vas-y, charge mes batteries. Peut-être que je suis en photovoltaïque, c'est pour ça que je me recharge à la lumière du jour. Donc voilà. Hop. Les deux premiers. Donc, oui, comme je vous disais, il y a une petite pochette au milieu. Et dedans, il y a plein de petites choses. Et ben, j'ai pas envie d'attendre hein, parce que c'est juste avant l'autre paquet de deux. Tant pis. Hein. Moi, j'ai envie de savoir si j'arrive à l'ouvrir. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, tout, tout, tout. Bon, je vois qu'il y a des petites choses à manger. Alors ici, c'est petite galette pépite de chocolat de Saint-Michel. Alors là, si vous voyez la taille de ma main, c'est vraiment juste une micro-bouchée. Ça ne va pas prendre longtemps à manger. Ça, je vais le planquer et je vais le manger rapidos. J'adore, je suis fan et je ne vais pas le dire. Des fois qu'il y a des oreilles qui traînent. Rebelote une deuxième petite galette. Comme ça, c'est la deuxième bouchée. Ici, tac, c'est quoi? Cacao et épices magiques. Maître infuseur depuis 1989. Romont Nature. Je ne connais pas du tout, mais bon, comme je vous dis, moi je suis une bébé comment, buveuse de thé et d'infusion aussi. Donc, le sillage addictif du cacao et les étincelles des épices. Oh, ça va être sympa ça. Infusion de Noël bio. Ah oui, on sent les épices. On sent le. Comme les thés de Noël, les trucs comme ça. Bah celui-là, je le garde pour beaucoup plus tard. Hein. On va être raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Une petite étiquette de la marque avec laine teinte à la main, l'adresse du site, son Instagram. Et puis, merci pour la commande et bon tricot. Je regarde même plus au bon endroit. N'importe quoi. Et alors, il y a des petites choses à l'intérieur. Alors. Bon, ici, c'est deux petits arêtes mailles en silicone rose, comme ça, rond, pour les petits diamètres. Et ici,
Nous avons deux petits marqueurs, un progress keeper, un progress keeper et un marqueur. Donc ici, un petit sapin de Noël en marqueur rond fixe, je vérifiais qu'il est fixe, oui c'est ça. Et un progress keeper en botte de Noël, si il veut bien arrêter de tourner, c'est fou ça. Voilà, avec un petit B dessus. Bon, bah c'est tout choupi. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai hâte d'ouvrir les deux derniers. Il faut attendre. Bon, je vais remettre les petites douceurs là-dedans. Et puis, bah, on va se quitter là-dessus. Il fait un peu jour et j'avais une petite course à faire avec mon chéri. Donc, je vais profiter d'être éveillée. Comme ça, on va arrêter la vidéo qui est déjà bien longue parce que 20 minutes là, plus je ne sais plus combien j'ai fait la dernière fois. Eh bien, il est grand temps de se dire au revoir, de se quitter. Puis je vous fais plein de gros bisous. J'espère que les virus ne vous attaquent pas trop de votre côté. Allez, à plus. Ciao. Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward.